Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'utiliser une dalle holographique extraterrestre à Weeping Woods ou au pont en acier vert. Donc là, on est au pont en acier vert. Donc la dalle, elle est juste ici, je vous le montre sur le gameplay. Donc bam, vous vous rendez ici. Et ensuite, vous pourrez réaliser le défi en utilisant cette dalle. Alors, le défi sera, n'est pas encore disponible, mais sera disponible dès que les défis Rift Tour seront disponibles. Donc, à mon avis, pendant l'événement de Rift Tour. Alors, cette dalle est assez particulière parce qu'en fait, c'est comme si ça vous transformait en bubblegum. Regardez-moi ça. Bam, bam. Donc, voilà. Alors, vous pouvez ramasser des objets quand vous tombez sur un objet, ça ramasse automatiquement, par exemple, il y avait de la construction là, quand j'ai essayé, et ça a ramassé la construction. Donc voilà, si vous tombez sur un objet et que vous avez de la place dans votre inventaire, ben, ça le ramassera automatiquement. Alors, il y a un autre truc aussi qu'il faut savoir, c'est que cette bubblegum ne va pas dans l'eau. Regardez, boum, elle ne va pas du tout dans l'eau. Alors, je vais vous montrer aussi l'emplacement de Weeping Woods. Donc de la dalle holographique à Weeping Woods juste après, mais d'abord je vous montre un peu à quoi ça sert. Alors j'avais une question, je me demandais si un allié vous tirait dessus, enfin un ennemi vous tire dessus, est-ce que ça vous fait des dégâts? Donc on va tester ça après. Là aussi, pour vous enlever de la boule, il n'y a rien de particulier en fait, hein, vous ne pouvez pas vraiment faire grand chose. Quand vous appuyez sur le bouton, ça ne fait pas grand chose. Est-ce qu'on peut construire? Non, on ne peut pas construire. Par contre, si vous voulez vous enlever de la boule, vous appuyez sur R1 comme si vous mettez un coup de pioche. Hop. Bon, là, j'ai lancé un truc. Mais bon, voilà. Vous appuyez sur R1 pour attaquer. Et ça vous enlève la boule directement. Alors, voyons voir ce que ça fait si il me tire dessus. Bien entendu, c'est un bot. Donc, il va sûrement galérer. On va voir. Je vais me rapprocher de lui. Je sais bien que quand on est proche... J'ai l'impression qu'il m'a touché, là. Hein. Ah, ouais. Ok. Donc, je prends quand même des dégâts. Donc il me touche et en plus je prends des dégâts. Il casse ma boule, ma bubble gum et je prends des dégâts. Ok, donc ça n'anticipera pas le fait de ne pas recevoir la première balle apparemment. Alors on peut aller plus vite mais c'est compliqué. C'est compliqué. Je vois pas trop à quoi ça sert en fait. Hein. Cet ajout, je vois pas trop à quoi l'utilité. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En plus ça fait un peu stylé, ça fait un peu joli, c'est un peu marrant, c'est un peu fun. Mais je vois pas plus. Alors maintenant, je vais vous montrer la dalle qui se trouve à Weeping Woods. Alors voici la dalle holographique de Weeping Woods. Donc, je pourrais même l'appeler la dalle holographique Bubblegum. Voilà. Donc elle se trouve juste ici à côté du chalet. C'est possible qu'il y en ait une autre dans les alentours parce que Weeping Woods est assez grand. C'est possible qu'il s'en trouve près des autres bâtiments, par exemple ici, ici. Donc, je ne vais pas aller voir, mais je pense que c'est possible. En tous les cas, juste ici, il y a une autre dalle. Donc vous aurez juste à utiliser une fois la dalle. Attendez, je vérifie. Ce que je dis, donc utiliser, ouais, voilà, il faudra juste utiliser une des deux dalles que je vous ai présentées pour terminer le défi et débloquer. Je crois que c'est 30 000, non, je crois qu'il y a une récompense, mais là je ne peux pas encore la voir parce que c'est dans les fichiers du jeu et c'est crypté, donc on ne peut pas voir la récompense. Mais à mon avis, il y aura une récompense, je ne sais pas exactement ça va être quoi, mais voilà. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.